Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réagir à un son latino, le mec qui s'appelle Sketchy Kid. Le son s'appelle Marte et c'est un nouveau, enfin je présume d'après le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Il a 874 en je sais pas combien, peut-être en combien d'après les commentaires, ce serait plus. Ouais, sorti il y a pas longtemps après. Donc après il a 2000 abonnés, c'est pas énorme, mais le mec il a déjà un visuel de près, on dirait. Je dois approfondir sur sa chaîne, etc. Mais en tout cas, on va voir tout ça. Ça a l'air d'être un nouvel artiste qui arrive très doucement. Il est tout au début en tout cas. Donc ça s'appelle Sketchy Kid, Marte, c'est du son latino. Et ben, on va voir ce que ça donne. Mais international, hein, on s'arrête pas qu'au rap FM ou au rap US ou au rap de street, de rue, genre, mais international. Partout! Touche tout! Attends. J'ai vu quelque chose dans le clip. Non, je croyais que c'était un genre de disque d'or de single, je sais pas quoi. Alors, let's go. Bebé, dime por qué no sé cómo hacerlo. Solo tú puedes sacarme de este infierno. Hay que convertir mi mala suerte. Tú solito en algo bueno la conviertes. Bebé, dime por qué no sé cómo hacerlo. Solo tú puedes sacarme de este infierno. Hay que convertir mi mala suerte. Tú la conviertes. Que lo que yo quiero es comerte. Y que me haga sentir en muerte. Todo como que sí, pero en verdad no. Bebé, solo somos tú y yo en esta habitación. Que lo que yo quiero es comerte. Y que me haga sentir en muerte. Están todos como que sí, pero en verdad no. Bebé, solo somos tú y yo en esta habitación. Ey, y yo sé que es recíproco, no hace falta ni una. Me lo dicen tus ojos. Me están mirando pidiéndome compasión. Yo me hago loco por tu acento. Es una cosa de locos. Como me mira diciéndome que provoco. Ella me responde original a las stories. Se vuelve loca cuando la llamo de sorry. Bebé, dime por qué no sé cómo hacerlo. Solo tú puedes sacarme de este infierno. Hay que convertir mi mala suerte. Tú solito en algo bueno la conviertes. Bebé, dime por qué no sé cómo hacerlo. Solo tú puedes sacarme de este infierno. Que convierte mi mala suerte, tú la conviertes. Que lo que yo quiero es comerte. Todo como que sí, pero en verdad no. Bebé, solo somos tú y yo en esta habitación. Que lo que yo quiero es comerte. Y que me haga sentir en muerte. Están todos como que sí, pero en verdad no. Bebé, solo somos tú y yo en esta habitación. Oye, y nunca más vas a tener que imaginarme. C'est bien l'instru, elle change aussi. Pas énormément, mais les couleurs qui changent, c'est bien ça. Par contre, le gars, le style vestimentaire, Fat Form, Karl Kani. Et là, son style. Cuando estamos solos no hay nadie que me eche de guante. Te cojo el rebufo pero no creo que adelante. Me da un poco de eso que tiene que no me falte. Con esa cadera como quieres que me aguante. Cuando estamos solos no hay nadie que me eche de guante. Lo que yo quiero es comerte. Y que me haga sentir en Marte. Están todos como que sí pero en verdad no. Bebé, solo somos tú y yo en esta habitación. Que lo que yo quiero es comerte. Y que me haga sentir en Marte. L'instru est propre hein, quand même. Young Panda. À la prod. Walkman. Lourd. Non, sympa, sympa. Franchement, pour des débuts, après, je sais pas si c'est vraiment des débuts, mais en tout cas, c'est lourd, c'est pas mal. Je trouve juste au niveau du refrain, il aurait pu peut-être un peu plus être mélodique, mais t'es plus pas en chantant ou en chanté, mais plus en presque en. Oh,
sais pas, enfin, je trouvais que le style sur le refrain il était un peu chelou. C'est dommage sur ça, mais sinon le reste ça va, c'est propre. La prod sympa, ça aurait pu être encore plus diversifié, mais elle est très bonne. Ça, au moins il y a des couleurs qui changent, il y a des trucs qui changent. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui mélodique, j'aime pas avoir une prod linéaire qui est comme ça, qui hop, ça fait la snare, les claps, le pad ou le piano, je sais pas, comment s'appelle, oh, j'aime plus, c'est sur Nexus, les VST de FL Studio et compagnie. Ouais, c'est propre, c'est sympa. Franchement, ça c'est propre, ça se rentre dans une playlist facilement, ça. Ça bouge, après, voilà, c'est pas, voilà, juste parce que c'est pas les Bad Bunny, les grosses têtes que le mec, bah voilà, on va pas le mettre sur la playlist, parce que, voilà, on va se dire, ouais, il est pas assez coté, ouais, il est pas assez truc, etc. Mais, hein, ça se trouve, là, je vais faire la réaction. Personne ne s'intéresse à ce mec-là, et peut-être dans un an, dans 3 mois, dans 2 ans, le mec il va tout péter. Et voilà. Et je l'aurais fait la réaction avant tout le monde, voilà. Ça c'est aussi mon petit truc à moi, j'ai envie de découvrir des trucs que personne n'est allé chercher. Vraiment, aller tout au fond des YouTube, des playlists Spotify, des nouveautés, des chaînes YouTube, des news. Que ce soit US, européenne, que ce soit italien, français, espagnol, tout ce que tu veux. Du moment que le son, il est bon, moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est pour ça que je vais essayer de toucher à tout sur cette chaîne. Ça va être totalement diversifié. Faut pas s'attendre vraiment à du rap de rue uniquement, du rap street uniquement, du rap R&B, du je sais pas quoi. C'est vraiment, je vais toucher à tout, je vais tout juger. Après, je juge pas, c'est juste une réaction personnelle parce que je kiffe le son et je veux faire partager mes kiffs, comme j'aime beaucoup la musique, donc j'ai forcément aimé beaucoup de choses. Et voilà, voir comment ils ont travaillé. Et c'est intéressant. Et c'est intéressant. Donc voilà, du coup, pour ma petite réaction, le son il est bon, la prod est bonne aussi. C'est un nouvel artiste qui arrive, qui débute. Et voilà, on attend de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi. Comment il va faire pour innover, se mettre en avant, après, derrière les têtes d'affiche, est-ce qu'il va fitter? Est-ce qu'il est déjà signé? Est-ce qu'il est déjà. Déjà, s'il est chez Vevo, ça veut dire logiquement qu'il est déjà signé, peut-être peut-être en édition. Bah, il est déjà signé chez Sony, déjà. Donc voilà, il y a un pas de. Peut-être il est en édition, je sais pas quoi, mais voilà, en tout cas. Sympa à écouter, pas mal pour du début, donc je valide totalement et je stream, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et ciao ciao!